Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Monsieur le Recteur, cher Olivier Dugrip. Bonjour également à Frédéric Fleury et Gabriele Fioni. Et merci à tous les deux pour votre invitation au lancement du projet Remède. J'aurais aimé être à Lyon aujourd'hui avec vous pour ce lancement. Mais même si c'est à distance, sachez que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ce projet va permettre à la filière automobile de créer un gisement de nouvelles compétences dont notre pays a tant besoin. C'est une garantie contre le chômage, une garantie contre la désindustrialisation. Un exemple de ce que nous cherchons à faire pour préserver l'employabilité des femmes et des hommes, des industries confrontées à de profondes mutations. Ce projet est une nouvelle solution pour adapter les compétences aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Et vous le savez, c'est l'enjeu qui est au cœur de nos politiques publiques depuis maintenant 5 ans. Le nombre d'alternants a doublé. Dans la lignée de « un jeune, une solution », je souhaite que pour chaque filière en mutation, nous trouvions des solutions et ce projet en fait partie. En tant que ministre chargé de l'industrie, mon rôle est d'accompagner la transformation des industries traditionnelles. L'industrie automobile fait partie de ces grands défis. Compétitivité, décarbonation, électrification et accessibilité pour tous, je m'y engage. L'automobile joue un rôle majeur dans la stratégie de décarbonation du pays. Le président de la République, vous le savez, a fixé l'objectif de produire en France 2 millions de véhicules électriques par an d'ici 2030. C'est le premier levier de décarbonation de nos mobilités. L'hydrogène sera le second pour la mobilité lourde. Nous n'oublions pas qu'en 2035, il restera encore 20 millions à peu près de véhicules thermiques en France, soit la moitié du parc automobile. Le rétrofit est une solution. Il permet de convertir en véhicules électriques des véhicules thermiques de grande diffusion. Il coûte encore malheureusement trop cher pour des véhicules particuliers. J'ai récemment, à cet égard, annoncé un soutien de 20 millions à la filière pour passer cette technologie à l'échelle industrielle. N'oublions pas non plus que ces mutations vont à terme entraîner une forte croissance des activités émergentes, avec la multiplication des bornes de recharge, des modules d'électronique de puissance, des batteries, de l'économie circulaire. Vous le voyez, la transition environnementale transforme radicalement l'ensemble de la filière. Et c'est 5 milliards d'euros que l'État va consacrer à la filière automobile dans le cadre de France 2030 pour accompagner cette transition et en faire un vrai succès. L'enjeu est de taille, bâtir une filière française complète, de la mine à l'usine d'assemblage, voire même au recyclage. Nous enregistrons déjà des succès sur l'ensemble de la chaîne, avec l'émergence de projets industriels, de mines de lithium, de composants de batterie, de piles à combustible, jusqu'à l'assemblage de 15 modèles de véhicules électriques dans les années à venir. Encore faut-il pour cela, évidemment, former les femmes et les hommes aux compétences de demain. Le projet Remède, qui est lancé cet après-midi, porte à cet égard bien son nom, car c'est un premier outil pour accompagner l'évolution des compétences de la filière automobile. Il est porté par l'Université Lyon 1, en partenariat avec des lycées et d'autres établissements d'enseignement supérieur, et surtout, c'est important, avec 25 entreprises partenaires. Je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre engagement dans ce projet partenariat d'ampleur. C'est en rapprochant l'entreprise de l'école et l'école de l'entreprise que nous donnerons envie à nos jeunes de rejoindre l'industrie et que tous ensemble, nous pourrons développer l'industrie de demain partout dans nos territoires. L'État va apporter une subvention d'un peu plus de 14 millions d'euros pour soutenir ce projet d'excellence. Cela permettra d'accélérer la structuration de nouvelles formations autour des technologies automobiles d'avenir, d'attirer les talents, d'essaimer à l'international. Je salue la présence de représentants de nombreuses entreprises du secteur automobile, comme Renault, Renault Trucks, Symbio, Vercor. Elles témoignent de l'importance de ce projet pour l'avenir des hommes et des femmes de la filière automobile. Je vous souhaite un très bel événement de lancement et une pleine réussite dans ce projet. Bonne journée et à très bientôt.